Deuxième jour de classe, après quelques mois de vacances. Fier de retrouver les anciens amis, ils sont nombreux à exprimer leur joie. Parmi eux, Martha du primaire. Je me sens bien parce que si à l'école, on a appris la famille élargie et la famille restreinte. La famille est l'ensemble de papa, maman, les frères et les sœurs. Quant aux enseignants, c'est un retour entremêlé de satisfaction et de responsabilité, en témoignent les propos de ce professeur. Les enfants étaient réguliers, ils sont arrivés à temps. Pour la première fois, la majorité de ceux de ma classe étaient déjà là. J'ai une liste de 27 élèves. Déjà 21 élèves se sont présentés. En tout cas, dans les années antérieures, ce n'était pas le cas, mais cette année-ci, oui, les enfants sont arrivés massivement. Avec le rappel des automatismes que nous avons fait, en tout cas, les enfants sont dans leur assiette par rapport à leurs connaissances précédentes. En tout cas, ils se retrouvent facilement. L'administration, elle, n'a pas fait les choses à moitié pour la réussite de la rentrée. Des conditions de travail améliorées, la prise des apprenants et des enseignants. Tout ou presque était au cœur des préparatifs de cette rentrée scolaire 2024-2025. La façon du travail, le côté administratif, tout a changé. Tout a changé, vous voyez, dès l'inscription de l'enfant, nous avons d'abord les enseignants et les administrateurs qui ont leur carte. Nous avons aussi, au niveau du service des gestionnaires, il y a aussi des innovations parce qu'automatiquement, vous devez prendre deux reçus. Avant, ça se faisait à la main. Maintenant, là, c'est informatisé. Directement, la classe de l'enfant sort. Vous avez déjà la classe de l'enfant depuis le service informatique là-bas. Ce sont les innovations. Nous avons aussi, nous pouvons dire, le traitement des agents. Cette année, avec le leadership de notre directeur général, il a voulu un peu innover. Et nous attendons l'équipe médicale qui va passer pour recenser déjà les enfants et nous faire l'emploi du temps de réception de chaque niveau. Ça aussi, ce sont les innovations. Et sans oublier la salle d'informatique. Et nous avons aussi notre salle de microsciences. Même au primaire, l'enfant doit toucher aux sciences. Sur un effectif de 200 élèves, au cycle primaire, l'école Emmanuel 5 a jusqu'à ce jour affiché 30 nouvelles inscriptions, sans compter le préscolaire et le collège.